Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour vos likes et vos abonnements. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose voir un thème, ma vie amoureuse. Donc, le mois prochain, le mois qui arrive, qu'est-ce qui vous attend? Quelle sera l'ambiance? Donc, dans votre vie amoureuse, dans votre couple, peut-être que vous allez réaliser un certain projet. Donc, on va voir cela ensemble. Eh bien, je regarde votre signification. Quelle personne est arrivée? Eh bien, vous êtes là. Donc, je vais voir votre compagnon, peut-être votre mari. Eh bien, magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous êtes quelqu'un très sensible, romantique. Pour vous, les sentiments sont très importants dans votre vie. Peut-être que vous êtes amoureuse, donc c'est possible. Eh bien, vous voulez évoluer votre relation, donc amoureuse, ce que je vois. Vous voulez peut-être quitter un petit peu le passé, vous voulez avancer dans votre vie et vous êtes sur le chemin de vraiment commencer une nouvelle étape dans votre vie. Il y a quelque chose qui se termine, peut-être quelque chose nouveau qui va commencer, donc on va voir tout ça ensemble. Eh bien, votre monsieur, eh bien, c'est la même énergie, c'est quelqu'un aussi qui est très sensible et romantique, peut-être il est amoureux aussi, et ou peut-être vous êtes en couple, et la vie, le destin, elle vous voit vraiment en couple, vous êtes dans la même énergie. Eh bien, en même temps, c'est quelqu'un qui est très actif, ce que je vois, il peut prendre l'initiative, il peut vraiment être très rapide, speed, et donc elle vous propose soudainement, elle vous fait les surprises, elle vous propose de se rencontrer, vraiment très active dans sa vie. Eh bien, ce que je vois que peut-être il y a eu des changements dans sa vie récemment, il ne voit pas la vie de la même façon, peut-être il y a quelque chose qui l'a bouleversé, eh bien, il y aura peut-être de grands changements qui vous attendent, et qu'est-ce qui se passe entre vous? On va voir cela. Eh bien, je vois quand même que peut-être vous avez eu certains changements soudains qui sont produits donc dans votre vie, mais en même temps, vous avancez petit à petit vers quelque chose de concret pour évoluer vers le résultat. Il y a aussi le choix que vous avez, peut-être vous êtes en train de réfléchir sur vos projets, qu'est-ce que vous souhaitez faire, etc., comment vous voulez développer la relation. Mais en même temps, il y a de très bonnes cartes qui montrent la réalisation d'un rêve. Vous savez, si vous voulez vraiment avancer, voit quelque chose de concret, il vous réveille de quelque chose, eh bien, ça peut se produire. Et le quart de magicien, vous pouvez tout réussir, tout dépend de vous. Donc ça, c'est très important. Eh bien, on va voir qu'est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre relation. Pensez un petit peu à vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez entamer? Justement, là, je vois quand même que vous voulez faire certains changements dans votre vie. Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans la vie amoureuse? Eh bien, vous êtes plus fort que vous le pensez, et c'est toujours votre signification, ça c'est madame, déjà que je vois. Eh bien, c'est très important. Il y a aussi peut-être l'attirance sexuelle que vous avez, l'attirance physique entre vous. Il y a beaucoup de passion dans votre relation, c'est incroyable parce que ça c'est monsieur. Alors, vous êtes, je vais vous montrer, parce que vous n'allez pas me croire, vous êtes déjà les deux ici, et avec vous, c'est la force. Donc, c'est-à-dire, vous avez vraiment la relation peut-être très forte entre vous, il y a un grand amour, il y a la passion, ça c'est très important. Eh bien, j'ai la confirmation, vous quittez le passé, vous avancez vers quelque chose de nouveau, il y a vraiment des grands changements qui vous attendent, mais ça peut complètement bouleverser votre vie. Eh bien, oui, monsieur, il va prendre beaucoup d'initiatives. Vraiment, il aura les résultats par rapport à ce que vous voulez faire. Vous sortez comme des gagnants. Alors, ce que vous voulez réaliser, vous allez bien le faire. Et vraiment, tout le monde autour, les gens, ils seront impressionnés. Ils vont vous dire, mais ils ont réussi, ils l'ont fait. Donc voilà ce que je vois. Il y aura beaucoup de communication entre vous, beaucoup de messages. Vous savez, la communication par l'internet, donc c'est possible. Les rencontres amoureuses, eh bien, monsieur, il va prendre l'initiative. Monsieur, peut-être, il va parler de son amour parce que c'est quelqu'un qui est très romantique. Ah bien, il y a aussi, je vois que madame, vous suivez quand même une certaine logique. Peut-être vous êtes quelqu'un très intelligent aussi, qui a fait beaucoup d'études. Donc, c'est possible que vous allez pas tout simplement suivre votre cœur, vous allez un petit peu analyser les situations par rapport au projet que vous voulez entamer, ça c'est très bien. Il y a aussi beaucoup de rencontres amoureuses, peut-être même les surprises, comme vous savez, comme des cadeaux, des fleurs, c'est magnifique. Eh bien, je vois quand même que monsieur, il sera très actif, donc passionné aussi, et cette carte encore de bouleversement qui va complètement changer votre vie, mais c'est magnifique ce que je vois.
Eh bien, vous savez, vous arrivez vers quelque chose assez stable, harmonieux, et c'est à long terme. Eh bien, les décisions que vous allez prendre, ça va jouer donc dans votre vie pour très très longtemps. Et vous savez, alors là, je vais vous montrer, parce que regardez, ça c'est monsieur, donc ça c'est la vie qui est complètement bouleversée. Mais il faut pratiquement montrer toutes les cartes. Hein. Alors, et vous en fait arrivez vers quelque chose très concret et même officiel. Ça peut être vraiment donc officialisation de votre relation, ça peut être au mariage, ça peut être le contrat de mariage que vous faites. Donc c'est possible, c'est vraiment magnifique. Je vais regarder la carte de conseil. Eh bien, c'est toujours monsieur avec son amour. Donc, il aura toujours beaucoup de rencontres amoureuses. Il va parler de son amour. Il aura peut-être aussi le projet d'avoir des enfants. Donc, c'est possible. Donc, ce que je vois, eh bien. Donc oui, effectivement, il y aura beaucoup de rêves et fantasmes que vous aurez dans votre relation. Vous allez planifier qu'est-ce que vous voulez faire. Mais il y a des grandes décisions qui seront prises. Ce que je vois, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Oui. Et en fait, vous ne devez pas vous inquiéter par rapport au futur, parce que ce que je vois, c'est vraiment très positif. Je pense que les changements seront tellement grandioses que oui, ça vous fait un peu de peur, donc c'est possible. Et la carte des amoureux, c'est magnifique. Alors je termine parce que avec cette carte, ça montre quand même l'amour mutuel, les sentiments qui sont très forts. Eh bien, tout dépend de vous. Soyez heureux, changez votre vie, prenez le risque. Eh bien, gardez votre amour. N'hésitez pas parce que le destin vous appartient.